Bonjour, François Sciortino, guitariste acoustique et guitariste classique. Je vais vous interpréter un Pima de mon choix. Alors, c'est un Pima qui est assez simple, mais que je trouve intéressant sur la guitare folk parce qu'il développe certaines résonances qui sont propres aux cordes métal et que j'ai trouvé intéressant. Donc, suite à celui-ci, je vous jouerai une petite improvisation autour de ce schéma Pima, de ce petit domino. Mais le Pima, c'est un outil que j'ai trouvé tout de suite intéressant dans le concept, dans les nouvelles idées harmoniques qu'on peut avoir par rapport à un répertoire plus traditionnel. Et en tant que prof, voilà, ça me donne un outil supplémentaire et puis une façon d'aborder l'instrument un petit peu différente par rapport aux méthodes traditionnelles.